Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va visiter une maison qui m'a été conseillée par un abonné sur la chaîne YouTube, qui a un nom que je ne peux pas prononcer en vidéo, enfin qui est moyennement prononçable. Donc on est dans le pays de Bray, au niveau des résidences de Bray. D'ailleurs, il y a une baraque là-bas que j'ai trouvé assez curieuse, que j'irai peut-être jeter un œil après. Clocher elfique, ok. On est au niveau du serveur Cyrano, on est 4 rues longues. Au niveau du quartier, il s'agit du quartier d'Innoas. On va rentrer. Alors déjà, ce que je trouve super chouette, c'est assez évident, c'est que l'entrée se fait par là. Donc il se fait une espèce de truc pour déporter l'entrée. Donc voilà, on a une espèce d'écurie qui nous fait une espèce de porche pour entrer. Puis un genre de véranda. Oh, c'est plus qu'une véranda, là, c'est une verrière à ce niveau-là. Avec le feu de camp à l'intérieur. Alors je crois pas qu'il y ait d'autres éléments dans le jardin, donc j'ai loupé des choses. Il y a cette grande statue, oui. Ok, mais en dehors de ça, je crois que c'est tout. Tiens, mais ils ont tous foutu le clocher elfique dans leur jardin. Enfin. Et dans le jardin, je crois que voilà, ce truc-là, il flotte à moitié, je sais pas, je trouve pas ça très pertinent. Bon, enfin après, chacun ses goûts. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est surtout l'intérieur, parce que maison de Bray, pour décorer l'extérieur, c'est pas le plus pratique, on va dire. Alors, c'est en train de charger. Alors déjà, l'ambiance est vraiment sympa. Avec les pavés par terre, excellent. On est pas mal du tout. Ok. Eh ben, ça fait une très belle salle de réception en tout cas. Oh, je suis. What? C'est quoi ça? Canapé du chasseur silencieux. Donc le châle, l'espèce de lynx, et fait vraiment partie du canapé. Ce n'est pas un meuble rajouté. Eh ben, purée, je ne connaissais pas ce meuble. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur le meuble quand je passe ma souris, s'il vous plaît? C'est des mirages de splendeur. Ok. Purée. Génial. L'orbe et la bougie qui ont été rajoutés sur la table devant la statue de Si, c'est la statue de Candace, ouais, j'ai peur de dire une bêtise. Ça, je connais pas plus que ça. Coffre Dumbar. Et on a le livre Chronique du Troisième Âge qui est juste à côté. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, là, on a surtout un style qui est très très joli. Pas spécialement surprenant, mais très très joli. Avec plein de petits meubles que je connais pas, les tapisseries, etc. Les collections de coussins confortables. Ok. Là, on a une espèce de pile de livres gigantesques. très très chouette. Alors, je marche sur la maquette de bateau. C'est vraiment un style. Avec la belle arme gourdin à griffes d'ours mural du Val. En fait, c'est très très chargé sur cette espèce de coin avec les bouquins et tout. Mais en même temps, ça donne un espèce de style qu'on voit rarement sur une espèce de coins comme ça remplis de bouquins, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors moi la question que je me pose c'est là. Je pense qu'il a muré. On peut pas rentrer? Ah si, on peut rentrer, ok, il n'a pas muré. C'est juste visuellement muré, c'est comme pour faire une porte finalement qui est à ma taille d'ailleurs. Ok. Et on part encore sur des espèces de livres. Alors on est vraiment sur un espèce de truc un peu expérimental quoi. Avec les animaux. Le perchoir, les piles de livres, la tête au-dessus du lit, le machin qu'on peut lire directement depuis le lit, c'est incroyable, c'est génial. Bibliothèque contenant une collection de savoirs oubliés. On va essayer de l'utiliser, hein. Vous fermez le livre et remettez sur l'étagère. D'accord. Jusqu'au détail d'avoir mis cette tête au-dessus du lit. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, par contre, on est vraiment sur un mood. Bouquin, alchimie, c'est très amusant. Franchement, moi je suis surpris. En fait, je sais pas trop quoi dire parce que c'est vraiment une espèce de style de déco auquel on n'est pas habitué. Ça fait une espèce de maison d'alchimie avec l'épée là-bas que j'avais pas vue, le trophée de la lame de Morgul. Qui est très très chouette. Ça fait vraiment un style maison d'alchimiste en fait. Oh là là. Puis avec la banquière dans la cage. Mon Dieu, cette maison est d'un style très très surprenant. Voilà, pas étonnant, voilà, on a une belle façon d'installer. En fait, c'est très très intéressant.
maison somme toute simple, on est quand même dans le Pays de Bray, mais avec un style qui lui est vraiment propre, que je trouve vraiment amusant. Vraiment style alchimie, et puis la chambre finalement c'est presque le plus surprenant avec l'espèce d'amoncellement de bazar autour du lit. Voilà, pour cette petite visite, franchement je suis assez satisfait d'avoir fait une visite comme ça, ça change vraiment de ce à quoi on est habitué, et moi ce qui... C'est pas forcément le plus beau, mais ce qui me donne le plus d'idées au niveau de ce qu'on pourrait faire pour les maisons chez nous, c'est la partie extérieure avec la verrière qui est devant la porte d'entrée. Ça je trouve ça vraiment chouette et ça donne pas mal d'idées. Donc très très bien. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine visite. Salut à tous.